Bonjour à tous. Je suis d'un tempérament exigeant et impatient. Alors rien d'étonnant à ça puisque mon signe astrologique chinois est cheval. Donc j'ai cette fougue et cet emballement du cheval, ça c'est sûr. Alors rien d'étonnant à ce que je sois pleine de fougue et impatiente. Et cela m'a joué plus d'un tour. À force de vite m'emballer et de ne pas supporter d'attendre, eh bien, j'ai fini quand même par comprendre que la patience pouvait réduire mes souffrances. Et en plus, elle réduit l'insatisfaction. Deuxième point, la patience aide à accepter certaines situations. Troisième avantage, quand vous êtes patient, vous vous énervez beaucoup moins. Quatrième bienfait de la patience, eh bien, vous cogitez moins, vous limitez votre cinéma intérieur, vos ruminations. Cinquième bienfait, être patient est bénéfique et apaisant pour vous et pour votre entourage. Sixième avantage, eh bien, en étant patient, vous permettez à l'univers de vous proposer, de vous apporter des solutions auxquelles vous n'auriez jamais pensé dans la précipitation. Vous permettez à l'univers d'œuvrer pour vous. Septième bienfait, eh bien, j'ai fini par comprendre que la patience pouvait s'acquérir, qu'elle permettait mon épanouissement et ma paix intérieure. Moi qui étais du genre à tout vouloir tout de suite, eh bien, la vie, les épreuves, les difficultés, les joies aussi ont réussi à me dompter. J'attends vos réactions, vos commentaires. Évidemment, je vous propose de vous abonner à ma chaîne YouTube, d'aimer la page Facebook Motivation Positive, de visiter le blog des Audacieux http://www.motivationpositive.com. Et puis, comme d'habitude, je vous dis prenez soin de vous et je vous salue. Au revoir.